جاءت الأخبار كذلك، ولكن إن شاء الله، إن شاء الله خير، خيرها في غيرها، ما يقال، إن شاء الله. فخامة الرئيس. مثل ما شفنا في شقيقة قطر، هذا المستوى العالي للتنظيم، مثل ما شفنا في شقيقة قطر، هذا المستوى العالي للتنظيم، مثل ما شفنا في شقيقة قطر، هذا المستوى العالي للتنظيم، أن مصر اليوم إلى دولتين عربيتين، أن مصر اليوم Voilà, on en reparle encore une fois. C'est Tebboune qui demande au Qatar de faire une médiation entre le Maroc et l'Algérie. Et comme diraient les Marocains pour rigoler, L'ouassata Qatariya ou l'Bhrur maghribi » Selon des sources fiables, le Qatar serait prêt à entreprendre ses bons offices pour aider à une réconciliation entre le Maroc et l'Algérie dont les relations ont été suspendues depuis plus d'une année et de manière définitive, comme avait dit le président Tebboune. C'est ce qu'avait récemment déclaré le docteur Majed Al Ansari, le chef de la diplomatie du Qatar, qui parle de ramener les deux pays frères à de meilleurs sentiments. Les déclarations du ministre Qatari interviennent après un échange de messages entre le président Tuboun et l'émir du pays d'un côté et le roi Mohamed VI et Sheikh Tamim d'un autre côté. Les relations inter-arabes doivent être basées sur la compréhension mutuelle et Doha remplira son rôle s'il si est sollicité, a affirmé le docteur Majed Al Ansari. Il y a juste un mois, le président algérien avait effectué une visite au petit Émirat du Golfe avant d'enchaîner avec une autre visite en Chine. Du côté de Rabat, un silence radio. À aucun moment le Maroc n'a été mis au courant d'une quelconque démarche dans ce sens, que ce soit de la part du Qatar ou d'un autre pays, explique une source proche de la diplomatie marocaine. De toutes les manières, aucun signe de dégel entre les deux pays voisins n'est là pour attester qu'un quelconque changement. Le pouvoir algérien a encore une fois fait la sourde oreille à la main tendue du roi du Maroc lors de son discours du trône en fin de juillet. Et contrairement aux autres leaders des pays arabes, alliés et amis, Mohamed VI n'a pas reçu de message de félicitations. De la part du président algérien lors des deux dernières fêtes nationales, la fête du trône au Maroc, et le 14 août, la fête de la commémoration de la récupération de Ouad ad Dahab. Voilà donc Abdelmjid Tebboune chercherait il une médiation entre le Maroc et son pays discrètement? Car les militaires n'en voudraient certainement pas, mais lui qui cherche à faciliter son deuxième mandat pour se présenter aux élections présidentielles de 2024, il aimerait bien que ça aille dans ce sens, mais que ça vienne du Qatar bien entendu, car si Shengreha apprend que Tebboune cherche à se réconcilier avec le Maroc, Certainement, il n'aura pas son deuxième mandat. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akbar bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akbar bled deux chaînes annexes. La première, dite Al-Jaza'ir Bi'ouyoun l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant. Un public très large sur Akbar el-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir, la première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazir la chanson amazir que nous aimons tous, y compris moi, soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akbar El Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale, sera quotidienne les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent restez donc fidèles à akhbar el bled de hassan atlimsan n'oubliez pas de vous abonner à algérie aux yeux des voisins jazair bi'ayn maribia mais aussi abonnez-vous à isly Amazir, Morocco, nous y serons avec vous sur les trois chaînes, inshallah.